Bonjour à tous, c'est Mitidoka. On se retrouve aujourd'hui pour effectuer un raid. Allez, on va aller piller la base de Mixto 1969. Cette base est référencée sur YouTube. Et je sais à peu près le loot qu'il va y avoir si la base n'a pas trop changé, puisque le raid date d'il y a 2 mois. Donc là, déjà, il a de l'essence. On va lui siphonner. Voilà, ce sera déjà ça de prix. Ok, on va mettre ça ici. Alors, on va faire le tour du proprio, vite fait, et on va voir ce qu'il nous réserve. Oh, il y a un Rémi, là. On va l'achever. Voilà. Ok, déjà, il n'y avait pas ce coffre-fort avant. D'accord. Oh, il y a des murs level 4. Il n'avait pas cette pièce-là non plus. Ok, j'espère qu'il n'a pas transféré tout son bon loot à l'intérieur de la pièce. On verra bien. Quoi qu'il en soit, on fait le tour du proprio vite fait. Ok. Ça, ça n'a pas trop changé. Aïe, le pic, ça, c'était sûr. Il y en a un, il est pour moi. Je vais poser le C4 ici. Normalement, ça doit faire péter un coffre. Et ça va aussi faire popper la première vague de zombies. Donc, je vous fais une petite ellipse. Et puis, du coup, je vous dis à tout de suite. Allez, viens la pépère, viens prendre ta claque. Ça, c'est fait. Alors, là-dedans, il y a quoi? Ok, le loot a un peu changé. Il y avait plus de choses que ça avant. On va bien voir. Déjà, je vais aller poser le C4 dans le chopper pour pas faire de bêtises. Hein, puisque vous me connaissez, je suis un tantinet maladroite. Donc, j'ai pas envie de le poser par mes gardes. On va ouvrir ce premier coffre et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, des plaques d'alu. Ça me va très bien. J'en ai besoin. Je crois que c'est dans ce coffre-là qu'il y avait des armes. On va voir si c'est toujours le cas. D'accord, nice. Vous avez vu ça? On a des glocks, un pompe, c'est vraiment génial. Une partie de tenue SWAT, ça me va très bien. Là-dedans aussi, normalement, il doit y avoir des armes. Nickel, un minigun. Donc, ça nous fait 5 glocks, un pompe et un minigun. C'est plutôt sympa, rien que là, déjà, le raid, il est rentable. On a utilisé un seul C4 et je pense qu'on n'en utilisera qu'un, pas plus. Donc, je suis contente. Bon raid, déjà. Il vient à peine de commencer, c'est déjà un bon raid. Allez, on va s'occuper d'une caisse suivante. Je crois que c'est dans celle-ci qu'il y a un truc intéressant. Et ça va faire pop la vague de zombies. Petite ellipse. Ça y est, on a buté tous les moches. Alors là-dedans, regardez ça. Je l'avais pas et je suis hyper contente. Le motif chaton, c'est génial. Je vais pas forcément le mettre sur le chopper. Mais c'est un item que je n'avais pas. Qui est vraiment rare, qu'on ne peut plus avoir. Donc du coup, je suis contente. Alors, là-dedans, il y a quoi? Ok, des tenues SWAT. Ouais, on va les prendre, parce que c'est plutôt sympa. J'ai plein de tenues tactiques, mais les tenues SWAT, j'en ai... Enfin, vous me direz, j'en ai un coffre, c'est déjà pas mal. Mais c'est toujours sympa à avoir. On va ranger comme ça. Enfin, on va essayer de faire un peu de rangement. On va mettre ça là. Du coup, c'est rangé n'importe comment. C'est pas dans mes habitudes. Le motif chaton m'a perturbée. On va faire ça comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez, coffre d'après, on va ouvrir, je ne sais pas, celui-là. Ah. Le loot a quand même changé, hein. Mais bon. Ok, la canne à pêche, je ne vais pas la prendre puisque j'en ai plein. Et pour l'instant, ça sert à que dalle. Donc, je vais lui laisser. On va prendre, je ne sais pas trop. On va voir d'abord dans les autres coffres et puis on prendra par la suite. Là-dedans, il y a quoi? Ok, du SWAT encore. Il y a les moches qui vont arriver, je pense. Voilà, petite ellipse. Du coup, on en était où? Ils m'ont dérangé ces moches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une tenue entière de SWAT. On va prendre également le soin. Le zip gun, on va le prendre aussi, puisque même si y en a qui disent que c'est pas une arme terrible, moi j'aime bien modifier, elle fait quand même des dégâts à 27, c'est plutôt sympa. Du coup, on va regarder là-dedans. Alors, ok, je vais prendre une tenue SWAT complète, comme je vous le disais. On va faire ça comme ça, on va lui redonner son fut. Il me manque un casque, voilà, on va mettre ça ici. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Raid vraiment rentable. Du coup, on va continuer le raid. Je sais plus où il y avait des trucs. On va prendre du soin parce que je me suis pris quelques tatanes quand même. On va s'équiper d'une tenue SWAT, tant qu'à faire. Hein. Comme ça, ce sera fait. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas trop. Les vidéos que j'ai vues, il n'avait pas ouvert les autres coffres. Il a ouvert le coffre jaune là-haut. Donc je sais qu'il y a du bon loot. Oh, une peinture blanche. Alors c'est peu en soi, mais c'est un item rare. Hein, donc je vais le prendre.
Du coup, ce qu'on va faire, on va mettre 2 coups sur chaque coffre. Ah, ma jauge de bruit est avancée. Je pense que je vais peut-être me cantonner uniquement au coffre jaune. Hein. Je pense que je vais faire ça comme ça. Parce que le Big One va se ramener et j'ai quand même du bon loot. J'ai pas envie de le perdre. Allez, coffre jaune. Ok, c'est le même loot. On le prend et je pense qu'on va partir. On va arrêter le raid ici. Puisque c'est vraiment du loot vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit raid vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez-moi un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye!